Cette image représente le fameux problème des sept ponts de Königsberg. Königsberg est une ville qui est constituée de deux îles ainsi que de deux rives reliées entre elles par sept ponts. La question qu'on se demande, c'est est-ce qu'il est possible de passer une et une seule fois par chacun des ponts pour faire le tour des sept ponts? Je vous invite bien entendu à ce moment-ci à mettre la vidéo en pause et je vous spécifie si c'était nécessaire qu'il est impossible de traverser les rivières à la nage ou encore de se téléporter. Vous pouvez commencer de n'importe quel point et vous n'avez pas à terminer à votre point de départ. Et la réponse à cette question est qu'il est impossible de passer une et une seule fois par chacun des ponts. Ça a été démontré par Leonhard Euler, qui d'autre, le fameux mathématicien Euler. Il a schématisé cette question sous la forme d'un schéma, que l'on va appeler un graphe, et il a démontré que c'était impossible d'avoir un seul chemin qui passe par toutes les arêtes de ce graphe, car il y a plus de deux sommets qui sont de degrés impairs. Ici, le sommet B est de degré 3, il y a trois arêtes qui le quittent. Même chose ici de degré 5, de degré 3 et de degré 3. Si jamais on a deux sommets de degré impair, il est possible de faire un trajet passant par toutes les arêtes qu'on va appeler une chaîne eulérienne. Et si tous les sommets sont de degré impair, à ce moment-là, on va avoir un cycle eulérien. Maintenant, si on voulait avoir une chaîne eulérienne, il suffirait d'ajouter ou d'enlever un des ponts. Et si on voulait avoir un cycle eulérien, on devrait ajouter ou enlever deux ponts. Et ce problème a été à l'origine de la création d'un nouveau champ mathématique qu'on appellera la théorie des graphes.